Vous savez quoi? Je viens de lire Betty de Tiffany McDaniel. Betty a été inspirée à l'auteur par l'histoire de sa propre mère, qui est née d'une femme blanche et d'un père Cherokee. Betty, contrairement à ses 7 frères et sœurs, elle ressemble beaucoup à son père. Donc, elle a vraiment le physique d'une petite indienne. Et à ce titre, elle va être constamment victime de propos et d'actes racistes. Mais j'ai envie de dire que ce n'est pas la chose qui va être la plus violente qui va arriver dans sa vie, parce que le destin de Betty ne va vraiment pas être très favorable. Mais au-delà de ça, il émane de ce livre une poésie dans chaque page. Et on retient aussi la relation que Betty a avec son père, qui est absolument magnifique, hyper touchante. Et je dois dire que toutes les personnes qui ont lu Betty, tout comme moi, gardent dans leur cœur ce livre comme une pépite, une merveille qu'on n'oublie jamais. C'est Betty de Tiffany McDaniel.